Est-ce que vous avez des regrets professionnels? Même Astérix aux Jeux Olympiques sorti en 2008, note de la rédaction. Damien Thévenot n'y est pas allé par quatre chemins face à Maurice Barthélémy lors de sa venue dans Télématin ce samedi 2 septembre. Vous avez refusé le rôle d'Astérix qui a été endossé par Clovis Cornillac, lui a rappelé le journaliste. Ma fille, à l'époque, était sur le point de naître. Si j'avais accepté le rôle, j'aurais pu rater la naissance de ma fille et surtout les 6 premiers mois de la vie de ma fille, c'est justifié l'ancien membre de la troupe des Robins des Bois venu présenter son nouveau livre intitulé L'expérience. Ça a été un peu un dilemme et finalement j'ai dit non. Et je ne le regrette pas parce que je crois que ce sont des moments hyper importants dans la vie d'un père, de s'approprier comme ça son enfant, s'est souvenu Maurice Barthélémy. Tess Barthélémy, une fille qui a bien grandi. Elle a 18 ans, a ensuite rappelé Damien Thévenot. Avant de lui demander, est-ce qu'elle souhaite être, comme sa maman, Judith Godrèche, ou son papa, comédienne? Elle est comédienne et hier je suis retombé sur une photo où elle montait les marches à Deauville, et là j'ai été vraiment choqué parce que là j'ai vu une jeune femme. Alors que pour moi, dans ma tête, si est-il encore mon bébé, a répondu l'ancien compagnon de Judith Godrèche. Sa fille a déjà une jolie petite carrière, je suis assez fier d'elle parce qu'elle sait parfaitement ce qu'elle veut et elle bosse. Elle est top, a conclu le comédien dont le rôle préféré est visiblement celui de Papa Poule. Évidemment, les célèbres parents de Tess Barthélémy n'ont pas hésité à lui filer un petit coup de pouce. Ainsi, son père l'a dirigé dans son film Pas très normales activités. Les spectateurs ont aussi pu la voir dans Under the Eiffel Tower d'Archie Borders. Un film dont sa maman était scénariste. Judith Godrèche était également à ses côtés dans la série d'Art Icônes du cinéma français. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2. Just me.